il faut dire bonjour, bonsoir, bonne nuit. C'est vrai, pardonnez-moi, j'avais oublié Jean-Pierre Nicolas. Voilà, alors Jean-Pierre Nicolas est là, et vous savez qu'avec nous, il commentera toute cette soirée spéciale rallye à partir de 19h, et puis aussi qu'il interviendra de ci de là au cours de nos émissions spéciales. Ceci très rapidement, pour vous dire que l'épreuve de Saint-Nazaire-le-Désert étant pratiquement sèche, les grosses voitures sont allées très très vite, elles ont fait parler leurs chevaux. Je faisais des réserves tout à l'heure en disant attendons le temps de l'ami Nicolas. Effectivement, la Porsche a été la plus rapide en 17-16 devant Valdegarde, 17-25 Darniche, 17-26 Andruvé, 17-34 et derrière en 17-45 Rorl et Vatanen devant Eklund, 18-4 Mouton, Michel Mouton, 18-7 et Bettega, 18-54 Laritmo, bien entendu, encaissant une forte perte dans cette épreuve qui n'était absolument pas faite pour elle. Rorl et Geistdörfer sont en tête de façon générale. Devant Darniche et Mahé à 3,29, l'écart s'est réduit. Bettega et Manucci sur leur rythme à 4,52. Jean-Claude Andruet et Biche à 5,02. Moins pénalisé que je ne l'avais dit à 8 heures. Probablement 10 secondes de pénalisation. Annu Nicolas sur sa Porsche est en 5e à 5,34. Eklund Golf GTI à 5,43. Vatanen Ford Escort à 5,51. Valdegarde à 5,53. Michel Mouton à 7,16. Et Coulang sur le Pel à 7,20. Donc depuis hier soir, dans le Turini, victoire de Rorl, dans Pont des Miolans, victoire de Vatanen, dans le Col de Faille, victoire de Valdegarde, dans le Col de Perti, victoire de Vatanen, et enfin maintenant, à Saint-Nazaire-le-Désert, victoire de Annu Nicolas. Alors je pense, Jean-Pierre, que ça n'est pas pour nous étonner que de voir que la Fiat Ritmo a perdu sa deuxième place et beaucoup de terrain sur Rorl, dans une épreuve qui, encore une fois, n'était pas faite pour elle. Non, c'est bien évident, parce que jusque-là, toutes les épreuves étaient très enneigées, et là, c'est la première épreuve qui se court pratiquement sur le sec. C'est donc tout à fait normal que les voitures puissantes, genre Porsche, Stratos ou éventuellement Fiat 131, aient pris le large devant la petite Fiat Ritmo, qui jusque-là se distinguait par sa maniabilité et sa facilité de conduite sur la neige. Voilà, il y a peut-être un commentaire qu'on peut apporter en conclusion, c'est que dans les premiers du classement général, on voit une Ford Fiesta, celle de l'Espagnol Salvador Servia, la Golf GTI de Eklund et la Ritmo de Bettega, trois petites voitures qui sont peut-être, Jean-Pierre, finalement moins difficile à conduire qu'une Porsche ou qu'une Stratos ou même qu'une Abarth sur des routes très très enneigées. Oui, il est évident que conduire des voitures très puissantes sur la neige, j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience les dernières années, contrairement à ce que tout le monde pense. Conclusion aussi, c'est vous apporter, parce que ça devient urgent, vous savez que nous sommes au service de tous ceux qui sont dans ce rallye, il reste 177 voitures, c'est quatre messages pour terminer qui sont des messages urgents. L'assistance du numéro 256 est priée de revenir à la permanence ici en Principauté de Monaco. Équipage numéro 120, Vérin Thomas, abandon Pont des Miolans, prévient son assistance que cet équipage donc rejoint Antibes par ses propres moyens. L'urgence peut rentrer à Monaco. Enfin, numéro 126, sortie de route en Pont des Miolans, attend son assistance à l'auberge de la Cluse à la sortie de la spéciale, qui n'est pas un mauvais endroit pour attendre quand on a fini.
Voilà donc où nous en sommes. Bien, merci Bernard Spandler, merci Jean-Pierre Nicolas. On vous retrouve à 10h en compagnie de Jean-François Jacob, toujours en direct du PC du rallye Monte Carlo. Il est 9h06, une pause avant de poursuivre ce journal. Enfin le rallye Monte Carlo, nous retrouvons Bernard Spindler pour le départ, si je ne m'abuse, de la dernière spéciale du parcours commun. Oui, c'est-à-dire dans 11 minutes en principe, ce sera la dernière spéciale sur 10 km, le col de Porte, le Dakol de Porte, col Saint-Roch, qui fait tellement beau sur la Côte d'Azur, ici à l'arrivée à Monaco, je crois que les concurrents vont pousser, en plus du move de soulagement, qui est bien compréhensible quand on rentre au bout d'un si long et difficile parcours commun en principauté. En plus de cela, ils vont sans doute pousser un autre cri qui sera peut-être pour certains de l'émerveillement, parce qu'il fait un véritable temps de printemps. C'est absolument fabuleux, avec une température assez douce, un petit peu de vent, mais enfin, ce vent a balayé le ciel qui est uniformément bleu, et à 12h45, lorsque les premiers du classement général arriveront en principauté, eh bien ce sera vraiment la carte postale de tradition, celle que l'on souhaite. Alors donc, à 11h11, départ très exactement dans la spéciale du col de Pont. Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.